Voici connecté sur la fréquence un duo rôliste. Bienvenue. Retrouvez un joueur et un maître du jeu. Que demander de plus pour vivre des aventures ? Aujourd'hui, nous nous lançons dans une nouvelle saison grâce au studio Agathe et le monde Deanna pour Donjons et Dragons 5ème édition. Rejoignez-nous et venez découvrir la Cité Franche, un des joyaux de ce monde. Mais des tourments l'assaillent et un simple apprenti magicien, même pas éveillé à la magie, va se retrouver et contribuer sans s'en douter au plus grand chamboulement depuis la naissance du dieu Tamerak. Nous retrouvons encore le fossoyeur en train de préparer sa chasse, dans le quartier Cyrillan. Cela semble bien compliqué. Ensuite, côté capture, alors. Voilà, revenons à la capture, pour pas se faire avoir comme la dernière fois. Pour pas se faire avoir comme la dernière fois, on a besoin d'avoir des guetteurs. Donc on a Sextus qui est le trappeur. Mm-hmm. Donc on va prendre la méthode à la ceinture et les bretelles. Étant donné qu'on sait où il se trouve, je vais demander à Sextus de poser des pièges dans les boyaux autour du truc pour que si la créature elle se barre, qu'elle se tape sur les pièges. Mais, en plus, ce que je vais faire, c'est que je vais demander à mes réfugiés cyrilliens de se mettre en deuxième ligne, donc après les pièges, d'être postés dans les boyaux pour qu'ils puissent nous indiquer où la créature s'en va sans se montrer. Ils ont été discrets jusque-là. Et le but, c'est qu'ils soient capables de nous indiquer dans quelle direction la créature va si elle ne se fait pas arrêter par le piège. Oui, Sextus, regarde, oui, largement, je peux être en support d'éclaireur et surveiller où la créature ira. En plus, je suis plus à l'aise Parfait. Avec les armes à distance, donc je pourrais... Très bien. Le moyen qu'on va se mettre en place, c'est que mon collègue étudiant, qui fait la lumière, va illuminer la créature. Ah ouais, je vais aller au contact la toucher. Ouais. Ouais. Oui, très bien. Tant que tu l'illumines, peu importe comment tu fais. J'ai pas dit la mettre en feu, hein. J'ai dit l'illuminer, on est d'accord. Ouais, on va la voir. On va bien la voir. Voilà. Donc du coup, en plus, elle sera visible dans le noir. Et tout ça, c'est... Et ça, ça doit être fait dès le début. Alors si on arrive à l'arrêter tout de suite et qu'elle s'enfuit pas, ben c'est pas grave. Mais il faut que ce soit fait dès le début, et ensuite on aura une heure pour la retrouver. Puisqu'elle sera visible dans le noir, et donc ça sera beaucoup plus facile à traquer. Mmh, très bien. Et ensuite, donc, le plan est le suivant. Donc, Sextus, qui garde l'avance et qui, éventuellement, la blesse à distance. Naïs, qui a pour but de l'immobiliser. Elle a armé quoi, d'ailleurs, cette madame, cette gentille madame ? De quoi elle est armée ? Je vais te dire ça. Une masse ? Ce que tu vois, c'est qu'elle a une épée longue. Ouais, mais épée, ça assume pas. Mais on considérera que ça permettra de faire ce qu'il faut. Okay. Qu'elle travaille les continuités claires et donc qu'elle fera ce qu'il faut. D'accord. Alors, comment on va faire pour se mettre en embuscade ? C'est très simple. On va se mettre en embuscade au niveau des pièges. Et on a parlé d'un appât, donc on va amener une chèvre qu'on va mettre dans la zone. La chèvre va attirer la créature, ça va être notre appât. D'accord. Et là, ouais. Le maître du jeu me regarde et il me dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Donc on va attacher la chèvre dans là où il y a la caisse. Et la chèvre qui belle, dans le noir, va avec un peu de chance attirer la créature. Ok. Et alors, ce que je ne... dis pas à mes amis, c'est que j'ai laissé la pierre d'alarme. La dernière fois, j'avais laissé la pierre d'alarme sous la caisse. Donc grâce à la pierre d'alarme, sans qu'ils le sachent, je saurai si la créature viendra ou pas. C'est mon plan, en tout cas. Ouais. On met la chèvre
On s'éloigne, on se met dans un endroit caché qui est assez proche, mais pas dessus, parce qu'on veut pas qu'on se faire détecter, donc caché. Une fois que la créature est là et commence à attaquer la chèvre, on se rue tous sur elle. Tanael l'illumine, Naïs l'assomme, et nous, on lui met les chaînes et les boulets, les bracelets, tout ce qu'on a pu trouver de robuste, etc., etc. Donc là, il faut quelque chose qui soit fort, tout en ayant les pièges pour l'arrêter si elle s'enfuit, et les guetteurs derrière les pièges, dans les boyaux adjacents, pour avoir une idée où elle part. Ça me paraît tout à fait intéressant. Est-ce que Sextus sait manier les bolas ou les filets? Je dois pouvoir me débrouiller. Lesquels? Les bolas ou les filets? Les deux. Ok. Donc on va lui filer un filet. Tiens, c'est joli à dire. On va lui filer un filet. Et moi, je vais prendre des bolas. Alors, je suis pas proficient avec les bolas, donc s'entend, ça fait pas partie de mon travail. Mais je vais quand même en prendre. Parce que le but, c'est quand même immobiliser la créature pour éviter qu'elle court. Donc, il faut qu'on arrive très rapidement à l'empêcher de bouger. Et là, je les regarde tous les trois, et je leur dis, bon, maintenant, qu'est-ce qu'on a oublié? À votre avis. Donc, tu vois qu'ils se regardent. Tanné dit, non, moi, je peux faire ta lumière, ça me paraît bien. C'est que c'est ce qui fait, non, votre proposition, ça fait sens. Non, je pense qu'on est bon. Naïs, tu vois qu'elle réagit pas plus que ça. On a oublié une coupe de choses. On a oublié un guet. On a besoin d'un guet à la porte, à la sortie des égouts. Une brouette. Une brouette pour transporter, effectivement. Parce qu'il n'y a pas de bon plan sans brouette. J'espère que les égouts sont praticables à la brouette. Quoi. Non, il faut apporter, je pense. Par contre, dans quoi on a dit le cercle. Un brancard. Où est-ce que vous allez mettre le... Avant de... Ouais, dans quoi vous allez... va-t-on transporter la créature jusqu'à votre repère ou votre endroit où vous pourrez la mettre dans votre cercueil? Un brancard. Un brancard, d'accord, ouais. Ben, on a... Tanel, il fait... Mais il n'y a pas Isaac qui doit nous rejoindre? Parce qu'avec son service, il m'a dit hier qu'il trépignait de devoir faire son rapport. Il n'arrête pas de... On n'a pas lui demandé ce qui s'est passé il y a la veille, et pour l'instant, il a dit qu'il restait. Enfin, il essaye d'éluder la question, mais il est un peu plus trop, donc il y aura Isaac avec nous aussi. Alors, le problème d'Isaac. Il pourra rester dehors. C'est que malgré son enthousiasme et sa serviabilité et ses compétences, il fait toujours partie de la vigilance. Et si malheureusement la vigilance apprend tout ce qu'on est en train de faire, elle va vouloir enrayer nos plans. À moins que Isaac soit enclin à rester discret sur ce qui s'est passé. Comment t'as essayé de le convaincre de ne pas faire son rapport? Je sais pas. Comme il a l'air enthousiaste, je lui ai plutôt dit que s'il fait un rapport tout de suite sans avoir attrapé la créature, et ben en fait ça va paraître mal sur son curriculum. Tandis que s'il fait un rapport une fois qu'il a la créature attrapée, ben ça lui donnera beaucoup plus de prestige et clairement une promotion directe. D'accord. Fais-moi un petit jet de... Non, c'est bon, c'est passé. Ok, ça l'a convaincu. Surtout avec la mission comment s'était passée. Mais par contre, ça veut dire qu'il est quand même revenu régulièrement. Alors, qu'est-ce qu'on fait tout? Donc, comment... Parce qu'il va pas laisser traîner les choses longtemps, quoi. Après, il va vouloir quand même faire quelque chose. Donc là, qu'est-ce que tu lui as dit? Parce que là, ça fait... Donc, on est à deux jours. Mais je lui ai dit la vérité, parce que je lui ai dit qu'on préparait le plan. D'accord. Et alors qu'on se rapproche du dernier jour, j'aimerais quand même qu'il joue un rôle, mais je sais pas quel rôle lui faire faire. Alors j'aimerais bien qu'il fasse le guet, le problème c'est que le guet il va nous voir sortir, et donc il va vouloir qu'on fasse quelque chose. T'as Tanel qui tourne autour. T'as qu'à lui dire qu'on l'a tué et que tu vas l'amener pour la disséquer pour s'assurer que ce soit bien mort, et puis que tu feras le rapport, et puis après tu auras qu'à trouver une excuse pour dire que. Mais si je dois la disséquer, je l'amène chez moi. Je l'amènerai pas. Et il va vouloir rester, donc. Non, tu veux dire d'aller boire un coup une fois qu'il a fini son truc, et puis nous on partira tranquillement, il veut pas t'accompagner. Ouais, je peux lui parler si tu veux, je peux l'embrouiller. Un peu trop enthousiaste pour ça.
Mais oui, bah écoute, si tu y penses, si tu veux, oui. Tant qu'on s'assure que la vigilance ne vient pas nous chercher de noises. Ouais, non, c'est clair. Écoute, j'essaierai de lui en parler et pour qu'il nous laisse faire. Non, pourquoi pas. Pourquoi pas. Et je pensais plus à Cave pour faire le guet. Elle est plus là. En fait, le lendemain, elle avait reçu un message qu'elle devait se rendre à l'ambassade pour une mission. Donc là, elle est partie. Elle est partie en dehors de la ville. Voilà. Quand on a besoin d'elle, elle se barre. Remercie. Merci le MJ qui a déjà trop de PNJ à jouer. Donc il est tout seul. Il a déjà 5 personnes autour de lui. Non, ça va pas le faire. Non, mais je pense qu'on a un bon plan. Donc, on a prévu quand même des rations. J'ai prévu un peu d'or à amener à mes amis réfugiés pour qu'ils coopèrent aussi, parce qu'ils vont pas risquer leur vie pour rien. Quoique, le but, c'est qu'ils risquent pas du tout leur vie, hein, qu'ils observent sans se faire voir. Et comme s'ils ont été capables de rester cachés dans les égouts pendant si longtemps, ils doivent être capables de se cacher pendant une heure, quoi. Ou je leur ai même pas amené l'argent, je leur ai amené la bouffe. Dans notre brancard, à l'aller, au lieu de, comme le brancard il est vide, mais j'ai mis de la bouffe dessus et je leur amène de la bouffe. Oui, ça c'est un peu plus dit vu qu'il y a des pénuries de nourriture et tout ça. Ouais. Donc là... Ok. Et ensuite sur place, mis sous le pont, elle a bien compris qu'il faut qu'elle nous trouve un endroit où il y a une sorte de prison où on est capable d'enfermer quelque chose de fort. Donc là j'ai bien insisté quand je lui ai parlé. C'est pas juste une pièce d'une maisonnette, hein. Il nous faut un endroit où il y a des grosses menottes au mur et qu'on est capable de les attacher. Un endroit qui est assez isolé pour les cris. Il faut quelque chose de discret et solide. Donc c'est ça qu'elle m'a trouvé ? Ouais. Parfait. Elle t'a pas dit ce que c'était, mais elle t'a dit qu'elle avait trouvé un endroit qui serait parfait pour tes expérimentations et sans que ça gêne personne. Dans l'ancien asile qui s'appelle l'asile d'Arkham, c'est ça? Peut-être. Allez, on y va. Là, ça y est, on a fait beaucoup de plans. On a bien travaillé. Là, maintenant, c'est le temps de faire l'action. Là. Ouais, et on décomptera l'argent que ça te coûte parce que ça va te coûter tout ça des sous-sous. Donc, je pense que tu risques de même être endetté. J'espère. Ben, c'est mon objectif. Non. De mettre du jeu. Non. Non, tout simplement parce que, étant donné que mon magistère. Supporte mon plan, comme il s'implique pas directement, lui il va cracher au bassinet. T'es un peu trop optimiste, on verra ça en dehors. Il va faire le mécène. Pour avancer. Ah non, oui. Je lui en ai parlé, hein. Je lui ai dit ça coûte de l'argent, il faut qu'il sponsorise cette partie-là. Parce que quand même, il a beaucoup d'intérêt à faire en sorte que ça réussisse. Dans ce cas, tu feras une petite négociation avec lui pour voir si ça marche comme ça, parce que dans ce cas, il pourrait accepter en contrepartie que son nom soit en premier sur les publications qui en sortiraient. Très bien, rien à faire. Tu comprends? Non, ça me va. Ça me va très bien. Donc, si c'était la négociation, voilà, c'est fini comme ça. Oui, pas de problème, son nom sera en premier dans la publication. Et s'il y avait le moindre problème, il n'est pas au courant et c'est ton nom qui sera en premier. Je n'ai pas de problème avec ça. Dans tout le cas, on va avoir une créature mort-vivant à disposition 24/7 où on pourra faire des expérimentations. Parfait. Donc, flash forward. C'est le drame. C'est le drame. Ah merde. Donc là, en fait, il va nous faire in media res. Vous êtes, la créature est dans le cul-de-sac. Elle vient de finir de bouffer la chèvre. Et elle vous regarde avec des yeux carnivores. C'est même plus, encore plus in media res que ça. C'est-à-dire que, effectivement, tout le début du plan s'est passé comme prévu. Ça a tiré, l'alarme a sonné. Vous avez commencé à fighter. Elle était là, elle était piégée, tout ça. Sauf que, il y en avait deux autres. Ah ouais, ça je l'avais prévu. Et donc, en fait, c'est une media res, mais donc il y a déjà eu un peu de bataille, il y a eu des flèches échangées, il y a eu du tir, il y a des trucs, donc vous êtes tous à moitié point de vie. Ouch. Et on va faire l'init de chacun. Ouh là 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 là. Donc toi tu me donneras ton init. Ah, il faut que je tire mon init. Allez, tirons l'init. Je suis dans un magnifique 12+2, 14 en init. 14, attends, je note ça. Alors disons que quand on s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs créatures, disons que j'ai glissé un mot qui a pour but d'avoir titillé mon compagnon,
Je l'ai regardé, donc Tanael, et je lui ai dit, on en a besoin que d'une seule, amuse-toi bien avec les deux autres. ou lâche-toi sur les deux autres. Tu vois, je lui ai dit un truc comme ça, histoire de le convaincre d'utiliser ses talents pyromaniaques particuliers. Eh ben dis donc, ils sont pas bons sur les G. Hein. J'ai 3D, il y en a un qui a fait des bons scores et pas deux fois de suite, quoi. Ok, c'est pas grave. Donc ça, c'est Naïs. Ça, c'est Sextus. Et ça, c'est Tanaël. Ok. Donc toi, tu m'as dit combien ? 14. Donc effectivement, ça, quand vous avez fait le plan, vous en avez vu qu'une qui était dans celle qui est secteur. Peut-être que c'était la même qu'avant ou autre. En tout cas, tu sais pas trop. Mais il y en avait deux autres qui étaient là. Et donc c'est parti en fight. Vous avez commencé le truc. Donc il y avait un bola qui a déjà été lancé. Parce que vous étiez focalisé sur la première. Le filet, tout ça. Donc tout est au sol, au milieu. Les autres ghouls sont arrivés. Ça a tapé de tous les côtés. Donc tout le monde en a pris un peu cher. Et donc il y a la... il y a ghoul 1, 2 et 3. La ghoul 1, c'est celle qui était autour de la chef, celle que vous avez visée en premier, et les deux autres qui sont arrivés, quoi. Donc, en premier, c'est Naïs qui agit. Ok. Là, on est dans le milieu de l'action. Il y a ce cadavre de chèvre au milieu, les restes de la caisse, puisque c'est toujours quelque part, elle était revenue dans la caisse où elle était, donc c'est dans ce secteur-là, de ce cul-de-sac, entre guillemets. Sextus est à l'entrée du boyau le plus éloigné. Et en plus, il a pris bien cher, donc il est entré, mais il a un arc en main. Toi, t'es à côté de Tanaël, qui a l'épée sortie, et Naïs à côté de vous. Techniquement, moi, je suis pas au contact. Hein. Je suis typiquement le type de gars qui est pas physiquement au contact. Donc, ce que je te propose pour m'aider, c'est que tu vas jouer Naïs, et moi, je m'occupe de Tanaël et de Sextus et des ghouls. D'accord. Donc c'est une guerrière, elle est tout... Ghoul numéro 1, à qui on a envoyé les bolas et les filets, est-ce qu'elle est maîtrisée ? Elle n'est pas encore maîtrisée, mais tu vois que par rapport au dernier combat, c'est certainement celle qui est la plus abîmée. Quoi. Elle n'est pas maîtrisée, c'est-à-dire qu'elle est toujours à risque de partir. Ouais. Ok. Allons-y alors. Nice. On va faire son attaque. Fossoyeur et son équipe sont enfin prêts et à deux doigts de la capture. À suivre très prochainement. Pour cela, restez abonnés pour être notifiés et suivez-nous sur les réseaux sociaux ou sur notre site web unduorolliste.net. N'hésitez pas à partager vos commentaires et encore merci. Bon jeu !